Amis sportifs, amis fan foot, bienvenue dans votre émission Café Foot. 3W.cafefoot.com, la chaîne YouTube sur internet. 3W.cafefoot.com, c'est notre page Facebook. Vous pouvez vous abonner gratuitement sur la chaîne YouTube sur internet et suivre toute l'actualité sportive sénégalaise. Café Foot, le Ligue 1, 14e journée, Douane garde la tête, Djambar toujours relégable. Gore Kada Sport pour compléter cette 14e journée. La Ligue de Tenguedj FC garde ses distances, Assouad Dar toujours dans la relégation. Et National 1, première défaite du Seneps dans la poule A. Devant Ker Madior, Walidane a été tenu en échec par Diamono Fatik ici à Thiès. Voilà, à présent, on va parler de la Ligue 1. La Ligue 1 sénégalaise, dominée par Douane. Douane qui faisait son déplacement à Niambour, mené par Niambour 1-0, puis revenu au score. L'AS Douane voit sa série de succès s'arrêter à 3, mais garde son fauteuil de leader. En clôture de cette 14e journée, Gore et Kaza s'affrontent à Demba Diop à 17h lundi, aujourd'hui même, pour s'approcher du podium. Et voilà le résultat de cette Ligue 14e journée. Niari Tali Mbour, petite cote 1-0. Amdi Diop a marqué l'unique but de la partie pour Niari Tali. Sounayor Guédiawaye Football Club Guédiawaye s'est incliné lourdement devant l'équipe Fagnon de la région de Djourbel. Abdoulaye Dem a ouvert le score à la 35e minute et Momodou Diata a doublé la mise à la 57e minute. Solomane a aggravé le score à la 71e minute et Honoré Gomis a sauvé l'honneur pour Guédiawaye Football Club. Djambar, ils ont score de parité nul et vierge. Et Djambar, toujours qui cherche à renouer avec la victoire. Et Stade Mbour Olympique d'Angor, 3-1 en faveur des Stadistes. Amdi Bey a ouvert le score à la 42e minute. Gandoba a aggravé le score à la 47e et à la 94e minute et donne l'avantage au Stade Mbour. Mais auparavant, Djibril Gueye a sauvé l'honneur pour Olympique d'Angor. Niambour Douane, score de parité 1-0. Le leader a arraché un point devant les Louguetois. Abdoulaye Badiane a ouvert le score à la 25e minute pour les Louguetois. Et Abdou Karim Sané a ramené les deux équipes en parité. Score 1-0 à la 36e minute. Et Douane est toujours leader de cette Ligue 1. Et au Stade Demba Diop, lundi à 17h, IS Gore et Kaza Sport vont compléter cette 14e journée. Meilleur canonnier de la Ligue 1 avec 7 réalisations, Pape Ibn Ba de la Linguère de Saint-Louis, suivi par Daouda Ndiaye et Daouda Gueye Ndiaye de AS Douane. Et voilà, AS Douane occupe la première place avec 22 points. Deuxième est Stade Mbour avec 21 points. Troisième, Niambour de Louga avec 21 points. Quatrième, Mbour Petite Côte avec 18 points. Et cinquième, Olympique d'Angor avec 18 points. Et pour la relégation, c'est Djambar avec 15 points, suivi de la Linguère de Saint-Louis avec 15 points. Et la Ligue de leader toujours Tenguedj FC garde ses distances grâce à son succès. Le leader Tenguedj FC garde toujours sa distance sur Génération Foot. Les Rufisquois se sont appuyés sur leur buteur maison, Abou Bakri Sall, d'ailleurs meilleur buteur de cette Ligue 2, pour signer leur 10e victoire en 14 journées. Asfa Etix, toujours pour la Ligue 2, les militaires d'Asfa sont inclinés à domicile devant Etix Dombor 2-1. Tenguedj FC, Yogo 3-1. Tenguedj FC toujours leader, a battu Yogo 3-1. Renaissance GF, Génération Foot, Renaissance s'est incliné à domicile devant Génération Foot de Djibi Fall 2-0. Port a expliqué un score de parité nul et vierge. Barguedj Dakar Sacré-Cœur 1-0 en faveur de Barguedj. Et Ndarguedj Dara score 2-0 pour Ndarguedj. Kayor Foot Dakar Invest Club 1-0. Meilleur buteur de la Ligue 1, de la Ligue 2, autant pour moi, c'est AVC Abou Bakri Sall de Tenguedj FC, 15 réalisations. Sur le deuxième meilleur buteur, 7 réalisations, Mohamed Cissé de Yogo. Et Alioua avec le même nombre de buts, 7 buts. Et voilà pour le classement de la Ligue 1. Premier, c'est Tenguedj FC, toujours leader avec 32 points. Deuxième, Génération Foot, 27 points. Barguedj occupe la 3e place avec 25 points. Etix Dombor occupe la 4e place avec 24 points. 5e, Moïse Sport avec 23 points. Et Asfa, pour la relégation, Asfa, avant-dernier du classement.
C'est Dara ferme la marge. On va parler de la nationale, nationale 1 pour A. Senef Sker Major, Senef s'est incliné à domicile devant Ker Major 2 buts à 1. Première défaite pour le club de Guinée-Bissau. Walidan Diamono de Fatik, score de parité 1 but partout. Oshi Fatik Saloum, score de 2 buts à 1 en faveur des Saloum Saloum. AS Cameroun Kaffrine 1 but à 0. Donc, Cameroun s'est incliné devant Kaffrine sur la plus petite des marges. Bambouk Thiès Football Club 4 buts à 1. Donc, Bambouk s'est lourdement incliné à domicile devant TFC. Et pour B Africa Promo Foot, score de parité contre ADTE, nul et vierge. Avenir d'embarquer Saint-Chuba sur la plus petite des marges. Saint-Chuba a arraché les 3 points devant Avenir d'embarquer sur la plus petite des marges. Kaoural Kaolack FC 2 buts à 1. Et pour la poule, c'est RSIOF Racine 2 buts à 1. Uezraï assure 0-2 en faveur des Sucriers. Donc les Sucriers sont arrachés les 3 points à Thiès devant Uezraï. Et on va parler du football féminin. Medjour, lycée Ahmed Fall 0-2. Et les Tigresses de Thiès, dirigées par Paté Mendy, ont fait score de parité nul et vert devant les Amazones de Grand Yoff. Voilà, chers téléspectateurs, c'était l'essentiel de l'actualité. Rendez-vous la semaine prochaine et restez connectés sur notre page Facebook, cafefoot.com. Merci à toute l'équipe technique qui m'avait accompagné. Votre fidélité, notre fierté, c'est New Com TV, la chaîne Web TV sur Internet. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.